You see that it's very important that we pray for the children. Aujourd'hui, quelqu'un peut se lever de sa maison et un mauvais esprit entrer dans sa tête, va à l'école et tuer les enfants. Today, somebody can have be possessed with a bad spirit, go into a school and kill the children. Mais si cela arrive, nos enfants sont protégés. But if it happens, our children are protected. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez au Seigneur? Do you believe in the Lord? Ce qu'il dit, il le fait. Whatsoever he says, he does it. Alléluia. Amen. Notre Dieu est capable. Our God is able. Il nous a dit demander. He said ask. Et il vous sera donné. And it will be given unto you. Nous venons juste de demander. We just asked. Et il nous est donné. And it is given to us. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui. And the theme of today. C'est instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Is train the child according to the way that he needs to take. Prends le temps d'instruire ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. You have to take time to train the child the way you want him to take. Et la Bible dit. And the Bible states. Si cet enfant a l'opportunité de devenir grand. If that child has the opportunity to become great. Si les jours que l'Éternel Dieu lui avait donnés sur la terre viennent à l'existence. If the day that the Lord God gave him come to existence. Dieu dit il garantit. God said that he guaranteed that. Que lorsque cet enfant deviendra vieux. When that child becomes older. Il ne s'en détournera point. He will not go away from the training. Alléluia. Amen. Dieu nous garantit. God guarantees. En tant que parents. Being parents. Si nous montrons à nos enfants la voie qu'ils doivent suivre. If we teach our children the way that they need to follow. Lorsqu'ils deviendront grands. When they will become great. Ils ne vont point s'en détourner. They will not go away from me. Alléluia. Et alors le dimanche passé. Last Sunday. Nous voulions développer ce sujet en trois aspects. We wanted to develop that subject in three steps. Pour amener l'enfant à ne pas se détourner de la voie que vous lui avez montrée. To teach the child not to depart from the way that you taught him. Nous avions dit qu'il faut aimer l'enfant. We said that you have to love the child. Nous avions dit qu'il faut, à part aimer l'enfant, instruire l'enfant. Besides, we said that besides loving the child, we need to train the child. Et nous avions aussi dit qu'il faut discipliner l'enfant. And we also said that the child needed to be disciplined. L'enfant, lorsque il vient dans le monde. And when the child comes into the world, c'est comme un bidon qu'on vous donne. It's like a jar that is given to you. Ou un verre d'eau. Like a glass of water. Verre d'eau, ainsi de suite. Vide. It's empty. Ici, il y a de l'eau, hein, n'est-ce pas? In this bottle, you see water in. Mais c'est vide. But it's empty. Comment vider ça? Boy. Ah, vous voulez me faire voir ça, je vais sortir ici rapidement. J'étais à mes ans. Alléluia. L'enfant, lorsqu'il vient dans le monde, the child, when he comes into the world, c'est-à-dire que papa et maman se sont mis ensemble. It means that father and mother got together. Peu importe ce qui les a poussés à se mettre ensemble. It doesn't matter what brought them together to be together. Les uns se marient d'abord. Some of them get married. Avant d'avoir les enfants. Before they have children. Ça c'est la meilleure voie. This is the best way. Les autres. Some others. Riches. They cheat. C'est-à-dire ils ne se sont pas mariés. It means that they didn't get married. Mais ils ont donné naissance à un être. But they gave birth to a soul. Et je vais vous dire que peu importe les voies que vous aviez utilisées pour avoir l'enfant, l'enfant est béni par l'Éternel. I'm saying that it doesn't matter the way the child came into the world, the child is blessed by the Lord. Nous avions vu dans la Bible. We saw in the Bible. La Bible dit que Jephthé. The Bible said that Jephthé.
était l'enfant d'une prostituée. He was the child of a prostitute. Jephthé était l'enfant d'une prostituée. Was a child of a prostitute. Ses frères ont dit, his brother said, tu ne vas pas hériter avec nous. You are not going to inherit with us. Tu ne vas pas hériter avec nous parce que tu es l'enfant d'une prostituée. You are not going to inherit with us because you are a child of a prostitute. Mais l'Éternel a dit, but the Lord said, si tu deviendras le neuvième juge en Israël, you will be the last judge in Israel. Rejeté par les hommes, rejected by the others, aimé par l'Éternel, and loved by the Lord. Peu importe comment l'enfant est venu dans le monde, the way he came into the world, cet enfant doit mériter, that child is going to deserve love, l'instruction, the training, et la discipline, and the discipline. Lorsque l'enfant vient dans le monde, when the child comes into the world, l'enfant est vide, the child is empty, et c'est à vous, and it's you, c'est votre devoir, it's your duty, c'est un commandement, it's a commandment. Est-ce que quelqu'un est là? Someone is here. L'enfant vient vide, the child comes empty. Et vous devez commencer à remplir l'enfant. And you need to start filling up the child. Certains remplissent. Some people fill it up. Et ils arrêtent là. And they stop right there. Ils disent les autres. They say the others. L'autre partie qui reste. The other part. Je donne à la télévision. I'm giving it to TV. L'autre partie qui reste, the other part that stays, je donne à l'école. I give it to the school. L'autre partie qui reste, the other part, je donne à la tablette. I give it to the iPad. L'autre partie qui reste, the other part, je donne au téléphone. I give it to the phone. L'autre partie qui reste, the other part, je donne à ses enfants, à ses amis. I give it to his friends. Donc vous donnez l'éducation de votre enfant. You give the education of your child à quelqu'un d'autre. To someone else. Vous avez mis l'eau pile. You put some water. Mais vous n'avez pas rempli cet eau. But you didn't fill it up. Et alors lorsque l'enfant va à l'école, and so when the child goes to school, on commence à apprendre à l'enfant, that the child is being taught, que tu es un homme. You are a man. Tu peux aussi aller après un homme. You can go after another man. Que tu es une fille. You are a girl. Tu peux aussi aller avec une autre fille. You can go to a, with another girl. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Abomination. This is an abomination. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire? Can someone say amen to that? La Bible est claire ainsi. The Bible is clear. Si vous ne prenez pas le temps d'instruire vos enfants, if you do not take time to train your child, quelqu'un d'autre va remplir ses vides. Someone else is going to fill up that space. D'une manière ou d'une autre. From a way or another way. Quelqu'un va prendre le temps de remplir ses vides. Someone is going to take time to fill up that emptiness. Alors Dieu dit. And God says, c'est à nous. It's our. C'est à nous. It's up to us. D'instruire nos enfants. To train our child, our children. Hallelujah. Amen. Si vous voyez les enfants aujourd'hui, if you see the children today, surtout ici aux États-Unis, really here in the U.S., dans ces pays où nous séjournons, in this country we are sojourning, temporairement, temporal, nous ne sommes pas éternels, nous allons passer. We are not eternal, we are not going. Les nombres de nos jours ont été comptés par l'Éternel. The numbers of our days. Il a décidé dans sa souveraineté combien de temps vous allez rester dans le monde. He decided in his sovereignty how many days you're gonna stay in this world. Alors lorsqu'il se met en conseil chaque matin, and when he goes in council every morning, l'Éternel se consulte avec lui-même. The God consults with himself. Et il nous dit, and he says, je vais encore donner 24 heures à Fidèle. I am going to give 24 more. Je vais encore donner 24 heures à Alpha. I am going to give 24 hours to Sister Alpha. Les 24 heures que Dieu vous donne chaque matin. The 24 hours that the Lord gives you every morning. C'est à vous de bien utiliser. It's your duty to utilize it. Alors, well. Parmi les choses que vous devez faire en tant que parent, the things that you need to do being parents.
C'est aimer l'enfant. To love the child. Instruire l'enfant. To train the child. Discipliner l'enfant. And to discipline the child. Si ces trois choses ne vont pas de pair, if all those three doesn't go together, vous allez manquer l'éducation de cet enfant. You are going to miss the education of the child. L'enfant va commencer à regarder la télévision 6 heures chaque jour. The child is going to watch TV 6 hours a day. Calculez maintenant. You have to calculate that. Les enfants dorment au moins 8 heures. Children sleep at least 8 hours. Ça, c'est le minimum. This is the minimum. Si vous voulez que votre enfant ait un cerveau bien développé, if you want your child to have a good brain, you have to let him sleep at least 8 hours a day. Est-ce que quelqu'un est là? Can someone say amen to that? Et alors? Therefore, 8 heures est parti. 8 hours is gone. 24 moins 8, nous avons 16 heures. 24 out of 8, you have 16 hours left. Alors, vous avez 16 heures restantes. You have 16 hours left. L'enfant va à l'école. The child goes to school. L'enfant passe là-bas 8 heures. The child spent 8 hours in school. 16 moins 8, c'est combien? 16 minus 8. 8 heures. 8 hours left. Alors, vous avez 8 heures. You have 8 hours. Pour donner la direction à la vie de votre enfant. To give a direction to the life of your child. L'enfant retourne à l'école. The child comes back from school. L'enfant s'assoit devant la télévision. The child sits down in front of the TV. 4 heures du temps. 4 hours. Il lui reste combien? How many hours left? 4 heures du temps. 4 hours left. Dans les 4 heures du temps qui reste. Out of the 4 hours left. L'enfant prend son téléphone. The child takes the phone. Il commence à tester ses amis. They will start testing their friends. Pendant 1 heure du temps. For 1 hour. Combien de temps lui reste? How many hours left? 3 heures du temps. 3 hours. L'enfant prend sa tablette. The child takes the iPad. Il commence à jouer les bonbons bonbons. Hein? And start playing the games. Ça des noms bizarres. Stop playing games. Vous voyez seulement les gens en train de sauter à gauche et à droite, vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe ici. Charles, stop playing games. Va là-bas, c'est même pendant 2h30. The child go over there and spend 2 hours 30 minutes playing video games. 30 minutes. He only left with 30 minutes. Vous êtes tellement fatigué du travail. You are so tired because you work. Vous-même, vous n'avez pas ouvert votre Bible. You yourself did not open your Bible. When you got up in the morning, the alarm woke you up. Vous avez sursauté du lit. You just jump off the bed. Directement, vous n'avez même pas pris, mais vous êtes allé au travail. Directly, you didn't even take a shower, you went to work. Ah, ça là, ça concerne beaucoup de gens, alors. And this concerns a lot of people. Hallelujah. Lorsque vous retournez à la maison, when you go back home, vous regardez les enfants, you're looking at the children. Vous ne savez pas quoi dire. You don't know what to say. Vos mains continuent à travailler même si vous êtes en repos à la maison. Your hands continue to work even if you are resting at home. Et vous regardez les enfants comme si vous étiez paralysé. You look at the children like both of you were paralyzed. J'avais un travail bien aimé. I had a job. Lorsque je revenais de ce travail, when I came back from the work, si je m'assois comme ça, if I sit down just like that, je ne veux même pas que ma femme me pose la question. I don't want my mom to ask me a question. How do you do? Le corps est fatigué. My hands died. Ma femme fait tout ce que tu as besoin, mais ne me pose pas de questions. My wife do everything you want to do, but don't ask me any questions. Alors il reste 30 minutes. And he say he only left with 4 minutes for the children. 30 minutes là. 30 minutes for the children. All those 30 minutes. Tu ne prends même pas le temps aussi. You don't even take time as well. D'avancer ou de commencer une conversation avec l'enfant. To even start a conversation with the child. Vous n'avez même pas le temps de prier ensemble avec l'enfant. You don't even have time to pray with the child. Bien aimé. Beloved. Vous ne pouvez récolter que ce que vous avez semé. You can only harvest whatsoever you sow. Est-ce que quelqu'un peut dire? Can someone say amen to that? Si vous ne semez rien, if you don't sow anything, quelqu'un d'autre va semer. Someone else is going to sow. Matthieu 15 nous dit ceci. Matthew 15 says that. Jésus dit. Jesus said. Tout ce que mon père n'a pas semé, whatsoever my father didn't sow, sera déraciné. Will be uprooted. C'est que si ce n'est pas le père qui a semé, if it's not the father who sow, quelqu'un d'autre est venu semer. Someone else came and sow. Hallelujah. Amen. En tant que parent, being a parent, vous avez la responsabilité bibliquement
specifically d'enseigner les enfants. To train and teach the children. Alors, première partie, the first part, on dit qu'il faut aimer l'enfant. We say that you need to love the child. Comment aimer l'enfant? And how to love that child? La Bible dit dans Ephésiens 6, 4. The Bible says in Ephesians 6, 4. N'irritez pas vos enfants. Do not irritate your children. Il y a des parents qui irritent leurs enfants. There are parents that irritate their children. Hallelujah. Les parents de grands regards maintenant avec ici un peu abattu. Il y a des parents qui irritent les enfants. Irritate their children. Lorsque tu adresses ton enfant, when you address your child, tu lui parles comme si il était un chien. You speak to him as a dog, like a dog. Lorsque tu vas dans la chambre de ton enfant, when you go into the bedroom, tu entres dans cette chambre sans respect. You go into that bedroom. Lorsque tu parles à ton enfant, when you talk to your child, devant ses amis, in front of his friends, tu lui parles comme si il était le ouric de ouric. You talk to him like he was some type of idiot. Yes. Hallelujah. Ouric, hein? Idiot. En ivoirien, c'est aussi ouric, n'est-ce pas? Yes. You talk to him like an idiot. La Bible nous défend de faire ça. The Bible defends. On dit dans Ephésiens 6, 4. When you go to Ephesians 6, 4. Parents, n'irritez pas vos enfants. Do not irritate your children. C'est une partie d'amour. And it's a, you have to show si love. Si vous avez deux, trois, quatre enfants. If you have two, three or four children. Ne montrez pas aux enfants que vous aimez un plus que l'autre. Don't show to the children that you love one more than the other ones. Hallelujah. Can someone say amen to that? Ça va créer des problèmes. It's going to create problems. When they are going to grow up, je n'ai qu'une seule sœur. I only have one sister. Nous ne sommes cadets. We only are two of ma us. Ma sœur vit en Suisse. And she lives in Switzerland. Moi, je suis ici aux États-Unis. I am here in the United States. Mais jusqu'aujourd'hui, up till today, ma sœur a une blessure intérieure qui ne finit jamais. My sister have an internal wounds that never finishes. And she continues to tell me les that. Parents t'aimaient plus que moi. Oh, the parents love you better than I. Bien-aimé, beloved, il faut faire attention lorsque vous avez deux vies entre vos mains. Be careful when you have two lives into your hands. Il y a des fois même, sometimes, lorsque j'étais enfant, when I was a child, vous savez, au pays, you know, back home, le lait en poussière, the powdered milk, hein, le lait en poussière, the powdered milk. Lorsque les parents achetaient ça, when the parents bought les that, les parents gardaient ça dans leur chambre. The parents put that in their bedroom. Parce que si ils gardent pas dans la chambre, because if they don't put it in the bedroom, nous allons venir, and we will come. Ce qu'on faisait, what we were doing. On prenait un papier. We take a on appelait ça moulongo aussi. Oh, quelqu'un accepte, c'est vrai. Hein? It is true, Pastor. We we'll take a piece of paper just on like that. Droite, and we we'll look left si and right. Là, if là, the father is not there, the father and the vite. And we we'll open it up on mettait, and put the powder milk. We put that in et a thing. And we push it down. Entre, and his head is full. We fill it up on and put it in our pocket. And then we hide it. And then we go out. Comme si rien like nothing happened. Vous aussi papa à la porte, and papa. We say, hello, father. Bonjour, papa. Father, hello, father. Et lorsque j'étais enfant, when I was a child, j'étais spécialiste en ça. I was a specialist of doing that. Mais on ne m'avait jamais arrêté. But I was never stopped. Alors lorsque I was never cut. Remarqué que quelqu'un était passé par la boîte de lait. When the father and mother saw that this milk was going down. Vous savez que quand vous volez, vous allez toujours laisser les traces. And you know that when you steal, you're always going to leave some trace. Même quand vous essuyez bien, even part, if you clean up good, even if you clean up, on va voir que le lait they're going to see tombé. Some, see that some of the alors, powder milk fell on the floor. Moi, je savais que papa m'aimait beaucoup, maman m'aimait beaucoup. When I knew that my father and my mother loved me a whole lot, c'était moi qui allais
beaucoup volé dans la chambre. I was the one who was stealing in the bedroom. Mais lorsque papa et maman revenaient, but when my father and my mother papa came back, maman savait que c'est ma grande sœur qui est en train d'aller voler. On frappait ma sœur. My father and mother thought my older sister did that, and she was beaten up. Moi, le coupable, j'étais là en train de siffler. Me, the one that was guilty, I was just, you know, enjoying and going about my business. Et ma sœur connaissait. Elle m'a dit, c'est lui. And my sister keeps saying, it's him. C'est pas lui. And the father says, it's not je him. Connais mon fils. I know my son. Des fois, vous pouvez croire que vous connaissez votre fils. Vous ne le connaissez pas. Sometimes you think you know your child, you don't know him. Ah, si vont suivre ce message, ça sera terrible. If they follow this message, you'll be terrible. Alors, ils prenaient ma sœur et... And they took my sister and beat her up. And she was beaten up. Beloved in the Lord, lorsque vous avez plus de deux enfants ou deux enfants, if you have two children or more than two children, attention dans la manière où vous traitez ces deux enfants. You have to be careful the way you treat those children. Ne montrez pas à un enfant que vous l'aimez beaucoup. Don't show to a child that you love him vous more. Vous allez détruire sa vie. You are going to destroy il his life. Il deviendra licencié en vol. They will become a licensed thief. Mais parce qu'ils savent que vous allez lui protéger. Because they know that you are going un to protect them. Un jour, il va s'aventurer à aller voler à la banque. And he can, you know, take the liberty to go and steal at the bank. Heureusement que moi, je n'ai pas volé à la banque. And I never stole at the bank. Et l'Éternel m'a rencontré avant que je ne fasse quoi que ce soit. And the Lord met me before I did anything. Alors, ne faut pas irriter moi. Quand la banque dit que ce n'est pas moi. Do not irritate your children. The Bible said that, not me. Il faut re-vérifier. You have to re-verify. Et la fois, c'est que ce n'est pas moi. And the child know that it's not me. Faites une confiance à l'enfant. You have to be you have to trust the child. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can someone say amen? Alors Paul dit. And Paul says, il ne faut pas irriter vos enfants. Do not irritate your children. Comment vous pouvez irriter aussi votre enfant? How can you irritate your child? Vous dites toujours à votre enfant. You always say your child. Toi, tu n'as pas un bon nez. You don't have a nice nose. Tu as une grosse tête. You have a big head. Je ne sais même pas si toi, parent, tu dis tu ne sais pas si cet enfant vient de toi. You parents, l'enfant est sorti d'où? You saying that you don't even know if that child came out of you, where that child maintenant, came from? D'un arbre. Listen there. What is it? From what? A tree. From a tree, yes. From a tree, yes. Oh, cet enfant, je ne sais même pas. Cet enfant ne doit pas avoir mon sang. I believe that this child didn't have my blood. Beloved in the Lord. Il faut faire attention avec les paroles que nous prononçons. We have to be careful with the words that we pronounce. Ça peut entrer dans la vie de l'enfant et détruire l'enfant, son futur, tout détruit. It can go inside the life of the child and destroy his future. Oh, toi, tu ne seras jamais intelligent. Oh, you will never be intelligent. Ça, c'est démontré même que vous-même, vous n'avez pas été intelligent. And it demonstrated that you yourself was not intelligent. Parce que l'enfant a les cellules qui viennent de vos corps. Because the child has the cells that come from si you. Si cet enfant n'est pas intelligent, c'est que automatiquement, vous aussi. If that child is not intelligent, automatically, you also, you are not intelligent. Ah, vous n'avez pas accepté ça. Ok, amen. Amen. Mais aimer les enfants. You need to love the children. Aimer l'enfant, c'est-à-dire quoi? Love the children, what that means? C'est-à-dire pourvoir au nécessaire pour que cet enfant développe toutes les qualités qui ont été déposées dans sa vie. Okay, you have to provide for that child so that that child can develop everything that is in their lives. Alléluia. All the qualities. Alors, deuxième point. The second point. Comment instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. How to train the child according to comment the way that they need to. Comment instruire l'enfant? How can we train the child? La voie qu'il doit suivre. On the way that they need to follow. D A. 2A. D A pour ceux qui écrivent. 2A for those who are writing. Engager une conversation avec l'enfant.
To engage a conversation with the child. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can someone say amen to that? Beloved in the Lord. Si vous n'engagez pas une conversation avec l'enfant, if you do not engage any type of conversation with your child, someone else is gonna engage a conversation with your child. Il y a des enfants, and you see that there are children qui font plus de confiance à leurs amis qu'à leurs parents. That trust more into their friends than their parents. Et si cela arrive, and if this happens, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas eu une conversation à la maison, it means that the child didn't have any type of conversation at home. Ne prend pas le temps de parler avec son papa ou sa maman. The child doesn't take time to talk to their father or their mother. Parce que papa et maman sont toujours partis. Because mother and father are always gone. Beloved in the Lord. Chercher l'argent, c'est bien. Looking for money is good. Mais l'éducation de votre enfant est plus que l'argent. But the training of your child is more than money. Amen. Amen. Depuis que vous avez commencé à chercher l'argent, vous n'avez pas encore construit un immeuble. Since you start looking for money, we haven't seen that you build a building. Mais si votre enfant aujourd'hui sort et entre dans un groupe de bandits, l'enfant va commencer à assassiner les enfants. If your child go out and go together with some bad people, you will see that they will become violent. Engagez une conversation appropriée avec l'enfant. You have to engage a conversation that is appropriate to the child. Selon l'âge de l'enfant. According to the age si of the child. Est une fille, if the child is a girl, et que cet enfant a 12 ans, and that daughter is 12 years old, vous, maman, you mothers ou papa, or father, vous devez vous asseoir avec l'enfant. You need to sit down with the child et dire à cet enfant, and tell the child, l'âge que tu as atteint ma fille, the age that you have my daughter, à un certain moment donné, at one time, tu auras des cycles qui vont commencer. You start your menstrual cycle that les will start. Les Africains ont tabounisé ça. The African made that issue a taboo. Est-ce que je me trompe? Non. Pour faire asseoir votre enfant et dire à l'enfant, and to sit your child down and talk to the child, je me rappelle, I remember, ma nièce, la première nièce, la fille de ma sœur, my first niece, the daughter of my sister, lorsqu'elle a vu ses règles, when she started a cycle, elle a cru qu'elle s'était blessée. She thought that she was hurt. Elle est partie vers maman. She said, mother. Ma sœur m'a appelé, je dis, c'est ta faute. My sister called me, I told her that was her fault. Parce que tu n'as pas dit à l'enfant. Because you didn't tell the child. À un certain âge, at a certain age, le cycle va commencer. You start a cycle. Si la Bible parle de ça, if the Bible talks about that, tu es obligé de parler de ça. You are obligated to talk about that. Est-ce que quelqu'un peut dire, can someone say amen to that? Et lorsque l'enfant qui est garçon atteint 13 ans, when the child who is a boy reaches 13 years old, l'enfant a déjà développé la capacité de reproduire. The child has already developed the capacity to reproduce. Vous devez vous asseoir avec votre fils. You have to sit down with your son. Et lui dire, and tell him. Je me souviens le jour que je m'étais assis avec le petit love. And I remember the day that I sat down je lui with petit. My son love. And I said, avant, son, je te considérais petit. Before I consider you. Mais maintenant, tel que tu es. Now, tu as la même capacité que moi j'ai. You have the same capacity that I have. Si tu t'aventuris, tu vas avec une fille. If you, by adventure, you go with a woman. Et que tu augmentes le ventre de la fille. And you make her pregnant. Tu vas toi-même payer le prix. My son, you are going to pay the price for that. Alors, il faut faire attention. You have to be careful. Qu'est-ce qu'il faut faire? What shall you do? Je lui ai dit, I said, ne t'engage pas à ça avant le mariage. Do not engage in that before marriage. C'est en noir et blanc. It's black
and white. Il faut s'abstenir de ces relations avant le mariage. Pourquoi? You have to abstain for this type of relation before marriage. Parce why? Dieu veut préserver votre mémoire. Because God wants to preserve your memory. C'est pourquoi vous verrez les gens. That's why you will see people that are older. Ils se sont mariés avec Juliette. And when they got married with Juliet, when they are with Juliet, they're thinking about Anne Marie. C'est ma venue. Hallelujah. Ils sont avec Chantal. Oh, Chantal, c'est encore. Bon, Chantal. They are with Chantal. Mais ils sont au lit avec Chantal. Ils pensent. When they are with Chantal, they're thinking about Anne Marie. Mommy. Pourquoi? Why? Parce que ils avaient corrompu leur mémoire. Because they corrupted their memory. Avant le mariage. Before marriage. Et alors, ce qu'ils faisaient avec mamie est resté. And what they were doing with mommy stayed. Alors chaque fois que vous voulez vous engager. And every time that you want to get together. Un esprit va prendre la forme de mamie. A spirit is going to take the form of mommy. Et va vous rappeler. And it's going to reminiscence. Et c'est avec vous. What was she doing with you? Vous devez vous asseoir avec l'enfant. You have to sit down with the child. L'enfant. And tell the child. Vous êtes maintenant capable. You are capable now. L'appareil que tu as là n'est pas utilisé n'importe comment. What? Okay. I don't know how to try to do. Okay. Okay. Okay, Pastor. Okay. Okay, Pastor. Okay. Okay, Pastor was trying to say that. I was not trying to say. I was saying. Huh? Okay. The instrument between your legs is not to use anyhow. Okay, Pastor. Can someone say amen? Amen. I'm sorry, I wasn't able Why to say are it. You going to try to hide something that the Bible is talking about? What? Okay, amen. Are you all getting it? Okay, amen. You have to sit with the child. It's a part of parenthood. Okay. You have to do it. And if you don't do it, si vous ne le faites it pas, becomes a problem. Ça devient un problème. Someone else will fill the gap. Quelqu'un d'autre le fera à votre place. Someone else will do it. Quelqu'un d'autre le fera. Oh, you are not getting it, huh? Okay, good. Quelqu'un d'autre le fera. Amen. Amen. I'm getting past. You can continue. Alors, B. B. D'abord, A, lisons Deutéronome 6, 6 à 9. Okay, let's go to Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 9. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9. La Bible dit ceci. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur les mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. And this word that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as a frontlet between your eyes. Écoutez ce que la Bible dit. À tes enfants, qu'est-ce que tu dois faire? To your children, what shall you do? Tu dois les inculquer. You have to put into Vous savez, their mind. C'est que signifie inculquer? Do you know what it is to impart? Nous ne savons pas faire ça. We don't know how to do that. Mais les musulmans savent très bien le faire. You know, Muslims, they know how to do that really well. L'enfant est petit. When the child is a little, ils commencent à parler à l'enfant. They start to talk to the child. Le matin, tu dois t'agenouiller. In the morning, you need to kneel. Tu dois prier. You have to pray. À midi, tu dois prier. At 12, you have to pray. Le soir, tu dois prier. In the afternoon, you have to pray. Avant d'aller au lit, tu dois prier. Before you go to bed, you have to pray.
And you know, the Old Testament est partagé entre les chrétiens et les musulmans. Is divided between the Christian and the Muslim. Ils ont la même chose. They have the same thing. Et ont gardé seulement ça. They only kept that. Nous, aujourd'hui, nous avions développé à cause de Christ. We developed today because of Christ. Alors, ils font exactement ce que Dieu les recommande. They do exactly what God recommends them. Tu prends ton enfant. You take the child. Tu commences à parler à ton enfant. You start talking to the child. Regarde-moi, fils. Look at me, child. Jésus est le sauveur. Jesus is the savior. Répète après moi. Repeat. Jésus, c'est qui? Jesus. C'est le sauveur. Is the savior. Jésus, c'est le sauveur. Jesus is the savior. Alors, ça c'est le matin quand tu es dans ta maison. When you are in your house. Lorsque vous allez en voyage. When you go, you travel. Je m'étonne même. I am. Il y a des parents qui peuvent passer 5 ans sans voyager avec leur fils. I can see that parents can spend 5 years without traveling with the child. Prenez le temps de sortir du confortable et aller quelque part. And you have to take time to travel and go somewhere else. Avec les enfants. With the children. Et Dieu dit, and God says, vous le faites, when you do quand it, vous êtes là-bas, when you are there, inculquez à vos enfants les commandements que je vous donne. You have to input into the child the commandments that I give you. God says dans also, votre maison, into your house, les tableaux qui sont dans votre maison, the frame that are in your house, doivent, they have to, instruire les enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Has to train the children the way that they need to follow. When we enter your house, there is a frame of somebody who is playing soccer. When the child goes in, the child is afraid. Even the picture frame into your house, they have to talk about the Lord. Can someone say amen? Hallelujah. Et Dieu dit, and God says, même sur la porte d'entrée de votre maison, even on the doorpost of your home, you have to write, le Seigneur est roi. The Lord is King. Amen. Hallelujah. Amen. Vous devez écrire, you have to write that. C'est Jésus qui règne ici. Jesus is the one that reigns here. Amen. Hallelujah. Et même sur la porte de votre maison, even on the doorpost of your house, vous appliquez le sang de Jésus. You have to apply the blood of Jesus. Le sang de Jésus protège contre l'ange de la mort. The blood of Jesus protects you of the angel of death. Vous venez vous parler à votre maison. And you talk to your house. Dans cette maison, in this house, aucun esprit n'entrera pour toucher à mes enfants. No spirit will enter to touch my children in the name of Jesus. Et les enfants doivent vous voir faire ça. And the children need to see you doing that. Mais qu'est-ce que vos enfants vous voient faire? But what your children see you doing? Lorsqu'on commence à danser, vous connaissez tous les pas des Aïko Langalang. Tous les pas, vous dansez ça très bien. When you start dancing, you dance all the steps, what the children are going to follow. Pour ceux qui sont ici, ils savent très bien. Ils ont très bien mémorisé les chansons de Michael Jackson. Lorsqu'ils chantent ça, c'est comme s'ils étaient au paradis. Il y avait une chanson de Michael Jackson. And people who are here memorize all the songs of Michael Jackson. Bon, je vais retourner un peu au pays. Vous savez, il y avait un chanteur chez nous. And you know that there is a singer in my country. Lorsqu'il était sorti, il chantait très bien. When he came out, he was singing very well. Je vais chanter un peu. Hein? Okay. Si vous savez, il y a des chansons qui sont restées un peu. Hein? And you know mais that nous ne chantons are, pas ça. Parce que nous sommes de Dieu. There are songs that stay, but we don't sing it no more. La chanson disait, Azala qui c'est Awa. C'est Gato, hein? Gato Bivens. C'est Awa. Il est devenu chrétien. Alors un frère dans le Seigneur, a brother in the Lord, il écoutait ça, was listening to that song. À trois. We were praying at three. With three. Nous avions commencé à écouter ses frères chanter. And we started listening to that brother singing. Yesu azala ki se awa, se awa. Yesu akei na ye. And we heard that brother singing that song. The song is saying. The song said. Okay. Jesus was here. Jésus était ici. But the original song said. But the original song said. My fiancée was here. Oh, okay. Ma fiancée était ici. And she left me.
Et elle m'a quitté. But she promised to come back. Bah, elle m'a promis de revenir. That is why I was listening to this song very, very, very much. And that, okay, le and frère écoutait. Got into him. Et la chanson était entrée and en one lui. Day we start praying. Et un jour nous étions en he train de prier. He just take off the fiancé and put the name of Jesus in there. Il avait seulement enlevé le nom de la fiancée here. Et mettre le nom. He was here. He told me he's gonna come back. He's gonna come back here. Here. Amen. Alléluia. 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 Voici les résultats de quelqu'un qui écoute toujours les chansons mondaines. This is the result of the person who always listens to mondaine songs. Mais Dieu dit, but God says, il faut maintenant mettre mes commandements à moi. You have to apply my commandments now. Vos enfants doivent répéter mes commandements. Your children have to repeat my commandments. Mettez ça dans leur tête. You have to input that into their heads. Hallelujah. Amen. Alors, therefore, D-B, to be lecture personnelle, a personal studies, lecture personnelle avec l'enfant, personal study with the child, fait part de l'instruction que vous donnez à l'enfant, is part of the training that you give to the child. De Timothée chapitre 3 verset 14 à 15, la Bible dit, Paul il recommande à son enfant spirituel, il lui dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises. Remind them of this thing and charge them before God not to. Bien-aimé dans le Seigneur. You can translate. Go ahead. Demeure dans les choses que tu as apprises. You have to stay in the things that you learn. Bien-aimé. Beloved. Si l'enfant n'a pas appris. If the child didn't learn. Comment l'enfant va-t-il demeurer dans les choses? How they are going to stay into comment? The things? How? Si vous n'avez pas eu le temps de suivre l'enfant. If you didn't have time to follow the comment child. Comment va-t-il demeurer dans les choses apprises? How they gonna stay comment? Into what they learned? Il y a des parents même qui sont un peu frustrés par leurs enfants. You can see that some parents are frustrated by their children. Si je lui dis ceci, if I say this, comment il va réagir? How they going to react, beloved? L'enfant est vide. The child is empty. Vous devez remplir. You have to fill the child. You have to fill it. Si vous ne le faites pas, if you do not do it, d'autre va remplir. Someone else is going to fill it up. Vous n'allez pas aimer. And you're not going to like that. Amen. Amen. C'est. Si. Comment instruire l'enfant? How to train the child? En écrivant la parole de Dieu pour lui-même. So, writing the word of God for them. No. For himself. Yes. Writing the you word of God. You take your child. You take the child. You tell your child. Vous dites à l'enfant. Take a piece of paper. Prends un papier and start writing. Et commence à écrire. For God so loved it, parce que le Seigneur a tellement aimé le monde. That he gave his only begotten son. Il a donné son fils unique. He's writing it. Et il est en train d'écrire. If he's writing it by himself, et il est en train d'écrire de lui-même. It's gonna be tough for him to forget it. Ça sera difficile pour lui d'oublier. Can someone say amen? Que quelqu'un dise amen. Take time and call your son, call your daughter and tell them, take a piece of paper, write down, Jesus is the King of Kings. Appelez vos enfants, votre fils et votre fille et faites-lui écrire que Jésus est le Sauveur. And there you can write Deuteronomy chapter 17, verse 18. Et vous devez aller à Deutéronome. Deuteronomy chapter 17 verse 18. À Deutéronome chapitre 17 verset 18. Now you can also you can choose verses for your child to memorize. Et vous pouvez aussi choisir des versets que vous pouvez donner à vos enfants de mémoriser. Can someone say amen? Amen. You choose a verse. You say to your son, "Come here." Vous devez choisir un verset. Dites à l'enfant, viens ici. Let's go to the Psalm chapter 1 verse 1. Nous devons aller au psaume
Psalm chapter 1 verse 1 says? Qu'est-ce que le psaume chapitre 1 verset 1 dit? Pull out the Bible in English. Vous pouvez ouvrir vos Bibles en anglais. Read it in English. Et dites-lui de lire la Bible en ouvrez la Bible, ouvrez vos Bibles en anglais. Ouvrez la Bible, le psaume 1 verset 1. This is a good verse for your son or daughter to memorize. Ça c'est un bon verset pour votre enfant de mémoriser. And you call upon your child, you say, et vous appelez l'enfant. Look at what the Bible is saying. Vois ce que la Bible dit. Happy are those who do not go with the wicked ones. OK, la Bible déclare que ne marchez pas, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. And who does not sit among those who are memorizing or thinking about sinning. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. His pleasure is in the word of God. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. You have to find pleasure in the word of God. Vous devez avoir un plaisir dans la parole de Dieu. You have to teach your sons and daughters to go to the word of God and read it. Et vous devez apprendre à vos enfants d'aller dans la parole de Dieu, apprendre à lire et à mémoriser. And then the Lord will say, you have well done your job. Et le Seigneur dira que vous avez bien fait votre travail. Now, teach your sons and daughters to respect people. Vous devez enseigner à vos enfants de respecter les gens. Respect people. Vous devez respecter les respect gens. Respect the authority. Vous devez respecter l'autorité. I'm gonna speak to the blacks. Black. Je vais parler aux noirs. As soon as the police stop them. Quand les policiers les arrêtent, they think automatically there is a problem. Et ils pensent automatiquement qu'il y a un problème. Je vais parler des noirs américains. And the police officer is just telling you, sir, can I see your license? Et le policier qui dit simplement, je veux voir ton permis. They respect people here in our country who's going to call you sir. Ici, les policiers respectent les gens ici au pays qui va t'appeler monsieur. Les gens, la loi ne respecte pas. Over there in our home country, you run away from the police because if they get you, you are in trouble. Alléluia. They're going to take your money, take everything that you have. Au pays, nous courons, nous évitons la police. Vested with the authority of the government. Et le policier vient avec l'autorité du gouvernement. Meaning what? Qu'est-ce que cela veut dire? It is the government now talking to you. C'est le gouvernement qui te parle maintenant. Sir, monsieur, a government le gouvernement talking to you qui est en train de vous parler, calling you, qui vous appelle monsieur, can I see your license? Est-ce que je peux voir votre permis? First reaction. La première réaction. Why do you want to see my license? Pourquoi tu veux voir mon permis? Who gave you that license? Qui now, vous a donné ce permis? If you don't teach your child, si vous n'enseignez pas à vos enfants. Him, give us your license. I want to see your license to just get the license and give it to the police officer. This is already trouble. OK, si vous ne dites pas à vos enfants comment réagir devant le policier quand il vous demande de présenter votre permis de conduire. That's why they're ending up in jail. Et c'est la raison pourquoi les Noirs sont en prison. That's why. Ce sont simple question. Une simple question. They cannot go into the wallet, pull out the license, ne peut pas aller dans leur portefeuille, enlever le permis et montrer. They start arguing with the police officer. Automatiquement, ils commencent à argumenter avec our le policier. Children need to be taught. That when a police officer stops you, you do everything he's asking you to do. Et nos except killing yourself. OK. Nos enfants doivent nous devons enseigner nos enfants comment réagir quand ils sont arrêtés par la police. As long as he does not ask you to kill yourself, do everything he's asking you to dans do. Dans la mesure où il ne vous demande pas de vous sit tuer, gun, vous devez faire gun, ce que il demande. I sit on the ground. If he te dit de t'asseoir au sol, tu t'assois au sol.
What are you going to lose? Nobody is there. Nobody is looking at you. Qu'est-ce que tu you vas perdre? Nothing. Tu ne perds rien. Now, teach also your sons and daughters. Et vous devez aussi enseigner vos enfants. That's the help to say hi to people. Et ils doivent saluer les gens. Hi. Ils doivent saluer les gens. It does not cost anything. Ça ne coûte rien. It hurts my heart here. Et ça me fait mal au cœur. You don't know your neighbor. Tu ne connais pas ton voisin. Even when you go try to knock at the door, they ask you from the inside, who are you? Et quand tu tapes à leur porte, tu te demandes qui es-tu? Three weeks passed. Et 3 semaines passées, I went out with Pastor Fred. Je suis allé avec le pasteur Fred. We went to the neighborhood here. Nous sommes allés dans le quartier to à côté. Preach the gospel. Et pour enseigner, pour donner la parole. When we went there, quand nous sommes allés on the side, et à côté, we knocked at the door. Nous avons tapé a à la porte. Big man, black man came out. Et il y a un black qui est sorti. We couldn't see through the window. Et nous ne pouvons pas voir dans la fenêtre. First question, la première question. Who are you? Qui êtes-vous? I was scared myself. I said, whoa. J'avais vraiment peur. C'était un costaud. Qui es-tu? I'm the pastor of Lilburn Alliance. Je suis le pasteur de Lilburn. We're just coming to say hi to you, see how you doing. Nous sommes venus seulement pour vous dire bonjour, comment vous vous portez. You can go, I'm doing fine. Vous pouvez partir, je me porte bien. I'm going to tell you something. Je vais vous dire quelque chose. We went to another house. Nous sommes allés dans une autre maison. Ethiopian. Des Éthiopiens. He was a man and a woman. Il y avait une femme et un homme. We knocked at the door. Nous avons tapé à la porte. All of a sudden they came, they opened. Et ils ont ouvert la porte. Pastor Fred, you see? Le pasteur Fred a dit, vous avez vu? We are mean. Nous sommes méchants. Americans, we are mean. Américains, nous sommes méchants. We don't want nobody to come to our house. Nous ne voulons pas que quelqu'un vienne dans nos maisons. Uninvited. Ici, tu n'as pas été invité. By blacks who are from Africa, we open. Mais nous, les Noirs qui venons de l'Afrique, we said they gave us water. Nous te faisons asseoir, nous te donnons de l'eau. And when we went out, Pastor Fred told me. Et Pastor Fred m'a dit. That's why I like to go to Africa a lot. C'est pourquoi j'aime aller en Afrique beaucoup. Parce que over there, there's no restrictions. Et là-bas, il y a pas de restrictions. Yeah, big boys. Ici, les gens nous font peur. And 80% of the house we knock at here. Et 80% des maisons dont nous avons visité étaient américains. They did not open the door. Ils n'ont pas ouvert la porte. 100% of all Africans opened the door. 100% des Africains ont ouvert la porte. No, I'm just talking. Je parle they seulement. Opened the door. Ils ont ouvert la porte. Now, you need to teach your son and your daughter how to talk to people. Vous devez enseigner à vos enfants comment parler aux gens. You are sitting at the couch. Vous êtes assis dans le fauteuil. And then you're talking to your wife and the visitors. Et vous parlez aux visiteurs. Your son comes out of the room. He passes by. Et vous, votre enfant sort de sa chambre et il passe. Without even saying hi to people. Et il ne dit pas bonjour aux gens. If you do that, si tu fais cela, under me, devant in moi, my house, dans ma maison, you're gonna be disciplined. Tu seras discipliné. And you're gonna learn very fast that I should never, never again repeat this. Et vous allez apprendre que avec moi vous ne devez jamais répéter cela. Because he's empty, you need to fill it in. Parce qu'il est vide, vous devez le remplir. Can someone say amen? Quelqu'un peut dire amen? Now the Bible is talking about children. If they respect their parents, they will live longer. If you like your child. Teach them how to respect parents. Et la Bible déclare que si vos enfants respectent, ils auront une longue vie. Et vous devez enseigner à vos enfants de respecter. Can someone say amen? Que quelqu'un peut dire amen. Now. Je vais finir and maintenant. I love you for the extra 5 minutes. I love you. Je vous aime pour les 5 minutes extra. Now, three. How do you discipline your son? Comment vous disciplinez l'enfant? The Bible says in Proverbs chapter 19, verse 18. La Bible déclare cela dans Proverbe 19. Proverbe 19, 18. Proverbe 19, chapitre
19, verset 18. The Bible says this. La Bible déclare. Please read it in English because I switch from English to French. I have the French version here. Vous devez lire en anglais. Read it in English, please. Amen. Proverbs chapter 19, verse 18. We are ending. Alléluia. Who's got an English version? I'm reading. Good. Okay. Proverbs 18. Yes. Discipline your son. Discipline your son. For there is hope. For there is hope. Do not set your heart on putting him to death. Do not set your heart on putting him to death. Vous ne devez pas le mettre à mort. Because you did not discipline your son or daughter. Parce que vous n'avez pas discipliné votre enfant, Take votre garçon ou la fille. They do something wrong. To tell them this is how you're going to behave from now on. Vous devez lui dire de la manière dont il doit se comporter en ce moment-ci. When you see someone, quand tu vois quelqu'un, say hi to them. Vous devez saluer la personne. When you see me sitting, quand je suis assis, do not sit down with a short heel in such a way that I see your legs. Vous ne devez pas vous asseoir avec des habits où on voit vos cuisses à vos filles. Vous devez leur dire ça. Yeah. Alléluia. Amen. Some people are looking at me as if I was crazy. I'm not crazy, huh? Les gens pensent que je suis fou. Je suis pas fou. I'm good. Je suis bien. You don't tell them. Vous devez leur dire. You will be ashamed one day. Vous allez avoir honte un jour. Someone else will tell them do it even worse. Et quelqu'un va leur dire et ça sera plus mauvais. And if they do it, et s'ils le font, you need to call them. Hey, vous devez les appeler. As long as you are under me and in my house, dans la mesure où vous êtes toujours sous mon toit, dans ma maison, shall no longer see this kind of clothes. Je ne veux jamais voir ce genre d'habit dans ma maison. We're gonna stand on our feet, nous allons nous lever and I'm gonna pray. Et je vais prier. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, Pastor, calm down, man. Amen. The truth shall be set. La vérité doit être dite. And as Christians, we have to do it. En tant que chrétien, nous devons le faire. Nous sommes en train de perdre une génération. If we don't do it, they will be lost. Si nous ne le faisons pas, nous serons perdus. There will be no difference between our children and the children of the pagans. Et il n'y aura pas de différence entre nos enfants et les enfants des non-croyants. Father, I thank you. Père, je te dis merci. I thank you for this word. Je te dis merci pour ces mots. And I thank you for putting this word in our hearts. Merci de mettre ces mots dans nos cœurs. We know for sure. Nous savons sûrement that you want us to love our children, instruct them and discipline them. Et nous devons aimer nos enfants, les instruire et les discipliner. So give us the strength to do so. Donne-nous la force de le faire. Give us the power to do so. Donne-nous le pouvoir de le faire. Give us the will to do so. Donne-nous la volonté de le faire. In the mighty name of Jesus, dans le nom puissant de I Jésus. Bless all those who heard me today. Je bénis tous ceux qui m'ont entendu aujourd'hui. Father, let them apply this word. Seigneur, laisse-les appliquer ces mots. So that we will save a generation coming after us. Pour que nous puissions sauver la génération qui vient après nous. In the mighty name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus. We pray and everyone says, et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. God bless you. Le Seigneur vous bénisse. I love you. Je vous aime. Amen. Amen. I'm